La chenille qui fait des trous. Le soleil. La lune. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop! Une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme et elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans deux poires. Une poire, deux poires. Et elle y fait deux trous. Mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans trois prunes. Une prune, deux prunes, trois prunes. Elle y fait trois trous. Mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans quatre fraises. Une fraise, deux fraises, trois fraises, quatre fraises. Et elle y fait quatre trous. Mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans cinq oranges. Une orange, deux oranges, trois oranges, quatre oranges, cinq oranges. Et elle y fait cinq trous. Mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Aïe, aïe, aïe. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte. Et elle se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon et s'y blottit. Deux semaines plus tard, quand elle perce
pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Oh, le beau papillon!